Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la France, pas du tout, avec l'Allemagne, on vient d'éclater la France. Alors on va donc aller gérer les rebelles gascons. Parce que Gascon ferait pas pour eux. T'es le seul en marche forcée? Ah non, tiens toi aussi. Ok, donc toi, direction ici. Et puis vous. Sans toi. Direction là-bas, ouais, ça me va. Attends. Gascogne. Putain, les troupes novogordiennes. Accorder une province. Ah, il a déjà pas légitimé le premier. D'accord. Ok. Eh ben, on va légitimer pour nous, c'est pas grave. Non, attends. Je peux filer des trucs à la Savoie. Ouais, carrément. Ça, je peux filer à la Savoie. Ça aussi. Non, ça, je vais légitimer. Il est cool, cet état. Donc, la Savoie. T'es protestant, oui. Non, 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 excuse-moi. C'est bon. Voilà. On a toujours de l'avance, très bien. Allez, on rentre à la maison, les gars. Bon, ce qu'on va faire, parce que j'en ai marre là qu'ils entachent notre réputation. Faire du contre-espionnage chez eux. Et chez eux. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire une reconquête chez Urbino? Oh, on gagne de l'argent. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu du plus? 332, c'est pas possible, franchement. Ouais, ça me décime ça, là. Ça s'arrête comment, la révolution? Je connais pas les mécanismes de la révolution. Je sais pas quoi faire pour... Soit la faire péter, soit la faire reculer, mais rester dans cet état-là, c'est compliqué quand même. Hein. On peut faire ça. Non, on va enchaîner les empreintes. Oula, attends, on est bloqué ici. On va aller chez Urbino. Pour les reconquêtes de Savoie, Naples, etc. Putain, il y a du monde ici. Toi, viens par là. Il n'y a pas besoin de tout le monde, je pense. On va prendre celui avec le général, ouais. Viens ici. Les réparations de guerre portugaises, elles rapportent 49, quoi. Du bien, mais tellement de surexpense, tellement de low. Oh putain, chez Ottoman. Bon, c'est à côté de chez nous, mais c'est pas une province amie. Mariage avec un plaid rompu. Hop, on le refait. Urbino, t'es pas en guerre contre. Non. T'es coalisé contre moi. Hongrie, on va la bouffer. État pontifico, je sais pas. Danemark, on va les bouffer. Et avec la chapelle, on pourra pas. Mais ouais. Impérialisme. Mais attends. Non, t'es pas siégé, d'accord. Il y a un fort ici? Ouais.
Viens là. Donc toi. Viens là. Toi viens là. Toi viens là. Il y a la Hongrie aussi à aller chercher. Je pense que Novgorod va s'occuper du Danemark. On va en profiter pour les empêcher de bouger les Danois. Voilà. Et on va venir renforcer et fermer les frontières. Je sais pas si on va pouvoir avancer là, non, ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a ça, j'ai oublié. Bon bah très bien, s'en occupe. Mariage royal avec la Savoie rompu. Debrecen, déjà. Oh putain, la Hongrie c'est fini. Ah bah dis donc. Cool. Bien. On a fini une mission en désordre. Ouais, j'étais dessus. Perdu en général, celui-là. Ok. J'ai pas vu. Bon, ils se sont fait dessus. C'est bien. Oh, putain. Dès que je regarde ailleurs, ils attaquent. C'est impressionnant. On va le perdre ce stack. Non, c'est bon. Ouais, ils espèrent ça. Florence est remportée. Super. Donc, tac. Enfin, tac. Mieux. Ah, tu passes par là. Non. Mais si, Florence a emporté. Je suis bête. Ok. Bon, ben. Gros pâté de. d'Urbino et compagnie. Allez, tombe-moi ça. Yes. Bon, on les a complètement bloqués là sur la péninsule, c'est parfait. Alors, attends. Vous allez être bloqué après. Tiens, je Bologne un coup là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens ici. Rome est tombée. Mais ils sont là. J'ai trop de points, j'avais pas vu. Déjà baissé l'inflation. Je peux rien faire sur ça, ça m'énerve.
Asta bêta 3, faut, je peux rien faire, bon on va développer hein. Ah, l'autonomie monstre, on la voit là. La Perse. En fait, tu m'as servi juste de bouclier, la Perse. Personne vient faire ça là. Ils sont bien divisés. C'est qui ça? Aix-la-Chapelle, oui, on peut faire la paix, Aix-la-Chapelle. Bah non. Ah mais non, mais je veux pas te manger. T'es pas limitrophe, tu vas me saouler. Ok. Alors ensuite. Ils sont beaucoup. Oh, les Ottomans ont pris ça. C'est un peu chiant, du coup. On peut perdre des points de mine. Putain, la Hongrie, je les ai oubliés. Ah, mais on peut pas faire de paix séparée, d'accord. Les idées de Friedrich Hertel. Friedrich Hertel, qui enseigne la philosophie à l'université de Poznan, a récemment publié un traité dénonçant les excès du pouvoir absolutiste qui constitue dans les faits une véritable attaque contre le Kaiser Maximilien Ier Philippe, même s'il n'y est pas nommé directement. Il est assez désagréable de constater que son pamphlet semble aussi populaire que convaincant pour les élites qui ont commencé. Qui ont commencé à en citer certains passages clés aussitôt qu'est lancée la moindre discussion sur les politiques du gouvernement. Vas-y, je me mets de la révolution, vas-y. Écoute, on va tous venir là, on va vous éclater votre tête, et puis ça va être bien. Voilà, gros paquet de... monstrueux d'armée, bon, Altares plus 5%, très bien. Mais toi, reste là. Toi, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mes alliés. Enfin, mes vassaux. Voilà, plus personne. On s'est fait éclater les bateaux par le Danemark. Calabre a emporté, très bien. Alors du coup... Allez, viens par là. Ouais. Toi viens là parce que je sais pas où te mettre, toi viens là. Et toi viens là. Je ne peux faire de paix séparée avec personne. Putain, 46 000 au médecin. Prendre un général de plus. Qui est excellent. Pourquoi pour la Hongrie et pas en... Ah parce qu'ils ont des troupes là-haut, d'accord. Bon, on n'a pas besoin d'attendre plus, ce qu'on va faire c'est... Vu qu'ils sont tous coalisés. Ah! Eh oui, ils ont réussi à nous éclater nos navires, hein, ces enfoirés. Bon, eh bien écoute, on va faire ça déjà.
40% quand même. Ah là, je m'ai fait eu, du coup, ouais, j'ai attendu pour un peu pas grand chose. Hein. Ouais, bah écoute, on va faire ça. Ah non, pardon, voilà, comme ça. Est-ce coûte moins cher de suite? Tu me le files? Non. On mange la Hongrie. Tu rétrocèdes. Pourquoi tu veux pas? Parce qu'on n'a pas le fort, c'est ça. Ok. Attends, c'est qui ça? Urbino. Urbino. Pourquoi je fais pas le... Ah, s'il est fait, j'ai rien dit. Ouais, il manque juste ce fort et après c'est bon. Il nous lâche tout. Bon, on peut perdre un peu plus. On va perdre 60. On perd combien par mois? 207. Allez, yes. Donc. Voilà. On va filer ça à la Savoie aussi. Valus à la Savoie. Nice à la Savoie. Albing à la Savoie, pas Gascogne. Donc ensuite. Ouais, ça c'est quoi? Terraciné. Naples. Je vais même filer Rome à Naples. Ouais. Je prends pour moi ça. Ah, trop gros. Bah voilà. Et ouais non. Donc enlève ça. Voilà, mieux. Les Ottomans, ils s'en contrefichent hein, de ce qu'on fait. Victoire éternelle. Oui, c'est pas grave. Hein. Quoi, on a obtenu le Cassibi contre la Hongrie. Ah, on aurait perdu. Voilà. Très bien. Ouais, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Bon, les intérêts 54, mais on perd quand même 150. C'est ce qui est monstrueux. Alors, ça se propage à Berlin. Bon, on verra ce qui se passe. Hein. Je sais pas ce qui se passe si on est révolutionnaire. Ok, bon, Venise, tu t'es fait violer. Maintenant, est-ce qu'on peut te rouler dessus aussi? Oh bah, carrément. Liège, il y a toujours une trêve. Ouais. Ouais, Venise, on va pouvoir t'attaquer pour les reconquêtes en plus. Hein. On va dire qu'on prend Carniola. Et on va surtout refiler plein de choses. J'ai cru qu'il était revenu, j'allais dire mais qu'il est con. Bon, ça on va pas aller chercher, mais... Alors toi, tu vas aller à Ferrare. Toi, tu vas aller... Y'a pas de fort ici? Ah, ils nous ont pas donné accès militaire. Je peux venir ici. Ouais, il faudrait que les apprentis qu'on donne l'accès militaire. Ça va venir, je pense, quand... Mince, Venise leur demandera. Nous, non. Nous, ils vont pas nous le donner. Et c'est bien normal. On perd toujours autant. Ouais.
Ah, ça progresse. Vite fait. Alors, est-ce que... Ça y est, on peut passer? Oui. Non, c'est pas là que je voulais aller. Enfin, si, on peut aller là. Les hospitaliers, je peux pas pouvoir aller les chercher. Ils sont là. On enchaîne les emprunts, ça devient problématique. Les forteresses, écoute. Ouais, j'aurais que 50 en moins. Faudra enlever des troupes ou alors arrêter les pays un moment. Mais ça veut dire plus de guerre. Ça se propage en Jutland. 80, encore 20% à faire, c'est quand même énorme. Oh, je crois qu'on a éclipsé le Ming. Vous avez pas envie de bouger, vous, hein? On va se mettre là au cas où ils ont envie de bouger. Non. Ça se propage encore. 81. Allez, tombe. Ok, c'est tombé. Est-ce qu'ils vont bouger pour autant? Je ne crois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est voir ce qu'on peut demander. Alors déjà, tu rends ça. Et je prendrais bien ça. Ça va être... Oh, ça va passer. Je vais prendre ça. Mais magnifique. C'est pas l'annexion totale. Ça veut dire que t'as des terres ailleurs? Ah oui, là. Ah oui, bah Venise, je vais pas pouvoir le prendre. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire... Productivité combien? Plus 2%, vas-y, prends-le. On va faire ça aussi, mais par contre... On va baisser la maintenance de l'armée, c'est pas soutenable. Hein. Infanterie d'assaut. Lancier. Ok. De combien? Faudrait que je la baisse. Complètement en fait. Après, on peut tenir un petit moment. Pff, ouais, encore. Voyons voir si je fais ça. Mariage avec le Gascogne rompu. Je sais pas si on peut l'annexer à la Gascogne. Non, 2 août 63. Oh bah très, très bientôt. On va arrêter de payer les forteresses. Et voilà, il va falloir rembourser un peu les emprunts. 139 ? Non, butin de guerre. 80. On va essayer de rembourser les emprunts comme ça. T'es en guerre contre l'Ottoman si tu veux. 2700, tu parles. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Non. Alors, arrête-toi. On va te désarmer aussi. Bon, après, j'essaierai que j'ai des tonnes de foire. Hein. Mais c'est surtout le fait qu'avec la révolution, on prend 50% d'autonomie partout. Voilà pourquoi je baisse souvent l'autonomie. Répu de diplo, il coûterait 20. Ouais. Alors là par contre, eh putain, oui, non. Il va falloir faire gaffe, hein. Et non, faut que je la paye mon armée. Au moins le temps de gérer l'orbelle. Hein. Ce que je peux faire sinon, c'est ça. Vu que j'ai des points en plus. Voilà, on arrête de payer l'armée. Oh, la Savoie arrête avec ça. Très avec Liège qui a expiré.
Ouais, j'aimerais voir ce que donne. Ce que donne la révolution. En 79, ce sera fait. Quand on aura bouffé Liège, on pourra écrire Allemagne comme ça, je pense. On a perdu en général. Qu'est-ce que tu veux? Offre de faveur en échange de troupes. Non. En échange d'argent, non. Perte de stab, on va la remonter parce que j'ai pas envie d'avoir des rebelles. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Est-ce qu'on peut baisser l'autonomie? Non plus. Ah non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il sert à rien leur, leur Saint-Empire romain germanique là. Les gars, vous êtes deux. Et l'autre, il vote pour l'Espagne en plus. Bah non. Ah, attends. Venise révolutionnaire. Ça veut dire quoi pour nous? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire pour nous. Ça c'est bien. Ah ouais, mieux. Parce que du coup l'autonomie va baisser. Ah non, regardez ces chiffres là. 50, 100, 50, 100. Et je peux rien faire pour la baisser. Oui, bah je me doute, oui. Je me doute. Tu me disais que c'était en 79. Est-ce que. On est toujours entaché. Ah, et 73, ouais, la réputation du plot, ça va mieux. On va faire par coup, voilà. Mais est-ce qu'on peut être deux pays révolutionnaires? Je sais pas du tout ça, je me souviens pas. Je sais pas. Ouais. Oh mais c'est très bien ça. Tu peux pas t'allier? Non, t'as pas de rivaux dispo, c'est peut-être ça aussi. 28? Je suis 28. Ah c'est la tech diplo en fait, où je suis en retard. Non, c'est lui qui en avance. Les ordres, oui. Manufacture. Italie dans Piémont. Piémont, c'est pas par là? Si. Mais c'est quoi Italie? Sud carolinien. Piémont sud carolinien. Ah ouais non 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 non, on va pas aller chercher le nouveau mandat. Une bourse à Königsberg, je veux bien. Combien pour le premier emprunt? 2600, ouais 2700 quoi. Alors là, voilà. Ça se propage pas, hein. Ah, bien. De la production Amsterdam. 84%. Ah oui, la capacité de gouvernance dépassée, c'est vrai. Toutes les traits avec les Portugais s'arrêtent. Ça, comme ça, je paye pas mon armée, vas-y. Ils nous ont tous embargotés. Oh oui! Ah, mais je peux pas leur permettre de perdre des ducats. Bon, on va gagner prestige. Tant pis. Ah putain, on peut plus déjà. Waouh, ça monte tellement vite les intérêts.
Est-ce que ça va être un peu mieux? Ça bouge pas du tout, j'ai l'impression. Ça descend même. Encore de la révolution, bien. Toujours pas de baisse d'autonomie possible, non. Points, il faut. Oh là là, c'est compliqué. Cette révolution, j'aimerais voir ce que ça donne quand même. Mais ouais. 86. Non, maudit d'impôt. Non, j'ai pas envie de prendre d'avoir une chance d'avoir un malus ou alors avoir 100% de chance d'avoir des bonus. J'ai pas envie de calculer si c'est vraiment intéressant. Oh, les repas de guerre, elles ont fait du bien. 127, waouh. Ah, ça progresse. C'est pas flagrant, mais ça progresse. Non, ouais. Modif de production plus 10, ça c'est bien. Enfin, plus 10%. Oh non! Pas des rebelles! Non! Tout mais pas ça. Combien on paierait si on... Combien on perdrait si on payait nos armées? 130, c'est déjà mieux. Ça a commencé à coûter cher après. Tant pis, on y va sans morale, mais... Et si on va passer un mois de plus, tant pis. Tu peux faire un fort sans un... Ouais. Enfin, un fort... Une province, oui. Sans un... Sans qu'on on paye l'armée, ça a l'air. Très bien. Putain, les impôts, ils rapportent plus... Plus du tout. Mais alors... À un point. Ouais, on était à 86, je sais pas quoi. Quelque chose... nationalisme contre la Bretagne, ouais. 87. Ouais, ça avance gentiment, mais... Frédéric Christian et le peuple vénitien. Notre conseiller administratif quitte la cour ou... Ah bah non, il quitte la cour. Hein. L'autre, il va pas adopter la culture vénitienne, hein, notre héritier. Bah, productivité, on va prendre des mecs de niveau 1. Hein. D'ailleurs, ici, j'ai pas une réplique de diplôme niveau 1. Non. Oh, tu coûterais que 4. Vas-y. Et toi, morale terrestre, c'est très bien. On va te garder. Bah, ça va être un peu mieux, là, déjà. C'est vrai qu'il est tout pourri, lui. Ok. Oh, oh, purée. Je les ai ratés. Putain, je suis pas concentré. Je fais ça depuis tout à l'heure, mais... Non, ça va. Ouais, c'est long cette révolution. Bah oui, je me doute. Bon, allez, vas-y. Avec un peu de chance, je finis avant la fin du mois. Et j'ai pas besoin de payer les troupes pour le mois prochain. Très bien.
Oh, mais j'ai l'impression que ça bouge pas. Attends, la fin du mois? Mince. C'est pas WPI, je sais jamais. Q. Et du coup, je voulais faire C. Oui, bon, c'est en C. Ouais. Non, ça bouge pas. Il y a des conflits intérieurs en Espagne. On n'est pas loin des conflits intérieurs, nous aussi. Ouais, bon. Du coup, ça se progresse quasiment plus parce que l'autonomie est tellement haute que... Enfin, c'est un modificateur de progression des réformes gouvernementales, l'autonomie. Donc c'est la merde. Ni plus ni moins. Bon, vas-y, allez, vitesse 5, il n'y a pas grand-chose à faire qu'attendre la révolution. Là, je suis juste curieux de voir ce qui va se passer après. Ouais, manger Liège, la France, Urbino. Bon, il y a l'Ottoman là qui a pris des trucs, ça serait une grosse guerre. Et bon, ça serait pas forcément, pas évidemment gagnable. Oui, si tu veux. Ah, un petit peu plus, elle est plus que 11,60%. Bon, 11,6 points quoi. Ouais. Même pas 10,6 points. Prestige et légitimité. Ça progresse en Savoie. Mais c'est pas chez moi, je crois. C'est 2000 et quelques, c'est ça? Oh! Ouais, 2700 toujours. Hein. Ouais, on a repoussé, je sais. Les réparations de guerre portugaises sont décevantes. Non, elles sont bien, elles sont bien. Palatina, ok. Putain, ça va péter, je l'ai pas vu. J'ai pas assez de points. Je n'ai toujours pas assez de points. Oui, il passe. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était quoi? Ça. Ah, ça y est, la chapelle refait une coalition. On refait le match. Ouais. Ils vont être relou. Hein. Et encore un mois, je pense qu'on peut rembourser un emprunt de plus, ouais. Tout à fait. Alors attends. Celui-ci. Ouais, ça progresse. 90. Bon, je pense que je vais faire une pause là. Enfin, on va arrêter l'épisode ici. Je verrai pas faire de guerre en attendant. J'aimerais voir ce que donne la révolution à terme. Donc il va se passer rien de plus que ce que vous voyez depuis 5 minutes. C'est-à-dire vitesse 5, remboursement d'emprunt, propagation de la révolution dans le pays. Et puis quand on arrive au moment fatidique, je reprends l'enregistrement et je vous montre ce que ça donne. Parce que bon là... Enfin voilà, c'est plus très intéressant de faire des guerres, on sait qu'on va les gagner, à part si j'attaque l'Ottoman. Même le Portugal, il n'y a pas eu de soucis alors qu'ils sont 15 fois plus que moi, mais comme ils sont éparpillés dans le monde. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous.